moment, on va pouvoir s'apercevoir si notre Nicolas et Olivier ont l'autonomie pour attraper la grosse pomponnette qui se cache dans la Garonne. Voilà, on revient sur le point de départ. Donc, autonomie complète, les frères mouches ne nous suivent pas. Et on a tout ce qu'il faut, on a choisi nos nymphes, on a fait nos montages et on part tester tout ça un petit peu. Mais si, on va venir vous examiner de loin. Il paraît qu'on va être noté à la fin. Ouais. Ah ouais, on a une note. Alors, ça avec le diplôme officiel, les frères mouches délivrent le diplôme. Des pêcheurs de nymphes. Voilà. Voilà. Ouais. Allez, c'est parti. On y va, Denis. Allez, go. Allez, c'est parti. Hop. À l'échelle, à la vraie. Vas-y, fais passer. Hop, la canne. Tac. Dans la jungle. Allez. On y va à la nymphe. Tac tac. Au bord de la rivière. On va essayer de faire une approche un peu discrète. Mon père va se mettre en face. Et moi je vais pêcher de ce côté. Allez les gars, premier lancé. Le coin en face est vraiment joli pour faire des grosses truites. Ça y est, le padré en fait une. J'essaie de le cadrer. Putain, avec le contre-jour, on le voit pas. Je te vois pas avec le contre-jour. Ah, c'est bon ça. Ça a l'air joli en plus. Bien joué. Bon. Mon père en a fait une en bas. Moi ça prenait pas de ce côté. Du coup je commence un petit peu à remonter. On va essayer les petites veines qu'il y a sur le parcours. Allez, je vais la décrocher. Hop. Allez, viens ma belle. Voilà. La petite pour débloquer le compteur ce matin. Allez, merci ma grande. La difficulté, quand on accroche à chaque fois, c'est de pas. Quand on décroche, de pas faire un bordel avec le fil. Hop là. Hop là. T'as qu'à l'attaquer celle-là, elle a attaqué en surface. Hein. Allez, viens là ma grande. Ah mince, j'ai accroché la pointe. Allez, c'est bon, elle s'est décrochée. Hop. On enlève la potence de l'épuisette. Tac. Elle s'est décrochée toute seule. Sur les cailloux pour pas que la canne se mouille. Impeccable. Allez, viens. Encore une petite avec des jolies couleurs. Hop. Voilà. Allez, ça repart.
Hey, on va continuer en face. Il doit y en avoir encore là-bas. À mon avis, l'image elle est en contre-jour, je sais pas ce que ça donne. J'ai le soleil dans la tête, donc j'imagine que dans l'écran. Oh, elle est plus jolie celle-là. Ouais. Elle est déjà un peu plus jolie. Oh, elle me vient dans les jambes. Allez, hop. Et une de plus. Elle m'est passée entre les jambes, t'as vu? Aïe. Ah ouais, ben là-bas, elle y sort, hein. Ah. Ah, il a cassé carrément. Apparemment, mon père a cassé sur une grosse. Allez, on va la décrocher. Normalement, c'est décroché toute seule, mais je vais enlever. Je vais enlever juste les nymphes. Allez, on va se la décrocher. On va se la relâcher. Regardez-moi ça. Toute belle. Allez, hop. Regardez. Hop, elle s'en va. Elle est passée sous la canne. Et elle reste dans son coin là-bas, je vais la laisser tranquille. Hop. Elle est pas bien loin. Regardez là. Elle est juste là. Hop, 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 hop. Et allez. Il y a mon père qui a cassé sur une grosse encore en bas. Il insiste dans le trou lui parce que je lui laisse ses 60 ans. C'est son cadeau d'anniversaire. Et moi je m'amuse autant à faire des petites, hein. Je vais vous dire, le record ça n'a jamais été mon kiff. Même si ça fait toujours plaisir d'en faire une de 40 ou 40 plus évidemment. Là il se fait plaisir. Et moi aussi. C'est le plus important. Toujours se faire plaisir à la pêche. Et pas se prendre la tête, ça vaut pas la peine. On racle bien le fond. Là, on est bien. Allez. Elles sont où? Elles sont où les coquilles là? Et voilà, elle était là. Ah! Wouhouhou! Allez, elle va se bloquer derrière le caillou. Je rappelle, c'est sans ardillon, alors faut jamais lâcher le fil bien tendu. Hop, elle vient par là. Tac, voilà. C'est sur la pointe celle-là, pas la potence. Hein? Eh oui, la mitraillette on m'appelle. Mais pas la nuit, hein. Allez, on va la décrocher vite fait. Eh ben c'est décroché toute seule, vous voyez. Hop. Comme quoi, dès qu'on la lâche. Eh bien là. Tac. Hop là, cocotte, doucement. Je vais te relâcher. Voilà, montre-nous comme tu es belle. Allez, retourne à l'eau. Ah, maintenant t'as plus d'excitation là. Ah, voilà. Allez, et on continue. Ça c'est bon. Allez, là les images elles devraient être meilleures pour vous. Je suis à l'ombre, derrière le bâtiment. Oh! Ah!
était très faible la touche. Je pense pas qu'elle se soit trop piquée. Allez, voilà. Hop là. Et dans l'épisode in the net, comme on dit. Allez, une de plus, ça fait plaisir. Ah purée. Allez, viens ma grande. On a le niveau. Il y a le niveau qui monte, alors je vais commencer à sortir de l'eau. Hop. Allez. Hop. C'est en train de monter le niveau là. On sort, on continuera peut-être après. Vas-y maintenant. Non, tu râles. Ouais, mais bon, c'est un peu normal. Oui. Mais t'as vu les yeux qu'elle avait, mais tu vois le goulot de la lumière, deux fois plus gros que ça. Le coquin. Tu es amené. Le truc, si tu ne déséquilibres pas, c'est que tu déséquilibres. Et toi, sur ton rocher, à droite, à gauche, où est-ce que je vais, ouais, c'est la puissance, la force, quoi. Vraiment. Hein. Tu sens l'esprit espagnol derrière ça, tu vois. Tu sens vraiment. Je te lâche pas, quoi. Le taureau, tu vois, vraiment. Ouais. Tu sais que celle que tu rates, c'est toujours la plus grosse. Non, oui, mais celle-là, elle pas. Non, mais il ne l'a pas raté. Il a tenu. Il y a eu un rapport de force, elle a gagné. Ouais. Quand tu viens de Marseille, je vais te dire, bon, je sais que tu exagères, mais là, contre l'Espagne, tu fais pas le poids. C'est ce qu'on disait hier. Si ça y est, le cas, c'est un truc qui gagne. Voilà, elle a bien gagné. Hein. Ah ben. Et pourtant, elle m'a promené. Hein. Il va falloir prendre la revanche quand même après. Ouais, mais là, il faut pas y aller maintenant. Là, ah ben non. Ouais, mais elle, il y en a d'autres. Toi, tu peux y aller par contre. Mais moi, non. Hein. Moi, là, je là. Frustration complète. L'important, c'est de tenir le troisième round. Tu l'as tenu le troisième. Mais bon, elle a gagné. Par KO. Mais elle a gagné. Mais moi, elle m'a. Il a raté une grosse. Il lui a cassé. Je suis parti là, j'étais bien remonté. Ouais, tu vois, il avait la haine. Ah ouais, là, on va aller boire un café. Il avait un regard de tueur, je te dis pas. Oh putain, comme sur la photo d'identité. Et puis moi, j'ai pareil, pire. Il y avait du feu qui crachait. Bon les gars, mon père a cassé ce matin sur la grosse. Hop. Je me suis fait un peu la main sur la matinée en faisant des petites. Ça a bien marché. Je pense que je vais essayer de faire une revanche à mon padré. D'abord, je vais un petit peu lancer sur les bords comme ça, histoire de tester un peu tout ça, parce que j'ai changé de nymphe. Il y en a une qui est venue regarder, je l'ai vu. Ah, j'ai raté. Il y en a là-dedans, mais... Elles se méfient, elles ont l'habitude, tu parles. Elles voient du monde passer, il y a beaucoup de pêcheurs qui passent. C'est pas une grosse, mais c'est truite quand même. Allez, viens là. Hop là. Eh bien, on aura fait une petite quand même. Tac. Posage de la canne. Elle s'est décrochée toute seule, c'est impeccable. Hop. On se mouille la main, les copains, comme d'habitude.
Oh. Elles sont nerveuses là-dedans. Oh, reprend. Imaginez ce que ça doit être une brosse. Hop. Voilà. Allez. Tac. Enfin, ça sera peut-être la dernière de la journée. Bon, ben les gars, je pense qu'on est sur la fin. Je fais encore 2-3 lancers pour le kiff. Et après, feu. J'aurais passé du temps là, hein. J'en aurais fait une, j'en aurais raté une, mais c'est que des petites. Hop là. Ah non, ça va. Tac. Le coin est magnifique. Bon ben voilà, fin de séjour, 4 jours de pêche avec les frères mouches. Merci à vous encore une fois pour nous avoir appris à pêcher à la nymphe. On n'aura pas réussi à la sortir cette grosse, même si ce matin papa il a cassé dessus. Ben moi j'ai essayé un peu cet après-midi, j'ai insisté, elle a pas voulu. Il faudra qu'il nous apprenne un peu mieux comment faire, parce que je pense qu'il nous cache certaines choses un petit peu. Certaines choses, mais pas toutes, c'est plus si on veut lire. Voilà, on reviendra, ça c'est sûr. Voilà, comme on dit d'habitude, pêchez la vie et gardez le smile. Allez, à la prochaine les gars. Ciao à tous. Ciao.